Donc salut à tous et à tous, c'est Breska et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fallout 4. Dans cette vidéo, on va se balader un peu dans l'institut. Voilà, maintenant j'ai fait le dialogue avec Père. Il s'appelle Père, voilà. J'ai fait son dialogue, tout ça. Maintenant, on va aller... Oh putain, j'ai failli lui tirer dessus, j'ai failli avoir des emmerdes. Maintenant, on va essayer de rencontrer d'autres personnes, tout ça. Voilà. Alors, on va tout de suite aller les rencontrer. Vous voyez là, on voit les beaux arbres, vert, tout ça. C'est vraiment beau, mais ce qui n'existe plus dans l'Overworld. C'est presque fini. Il ne reste qu'à resserrer ce. La robotique. Ok. Bah attends. Attendez, je vais activer la quête. Au maximum. Voilà. Voilà l'institut. Mais c'est magnifique! Wow. Oh là! La bioscience. Alors on va se diriger là-dessus. Division de la bioscience. Ok, bah on va y aller. Alors j'ai fait une vidéo, le dialogue avec le père, mais cette vidéo n'a pas été enregistrée. Allez, allez, c'est tellement que je suis con. Voilà, cette vidéo n'a pas été enregistrée. Oh, c'est beau! Pas encore. Je passe en revue les plans de père concernant l'extension de nos opérations à la ferme des Warwick. Il veut mettre ça en place le plus rapidement possible. Alors là, on va tout le reste avoir un dialogue. Excusez-moi, docteur. Bienvenue. Quel plaisir de vous voir ici. Docteur Clayton Holdren, directeur de la division bio-survivre aussi longtemps. Je suis impatient de vous montrer notre travail. C'est vraiment fascinant. J'ai hâte d'en savoir plus. Dans ce cas, je vais vous faire une brève présentation. Comme son nom l'indique, la division bioscience est spécialisée dans les domaines de la... Je vais mettre plus fort. Je vais mettre plus fort. Botanique, de la génétique et de la médecine. Notre mission la plus importante est de maintenir tous les membres de l'Institut en bonne santé. Dans ce but, nous cultivons des végétaux spécialement sélectionnés pour leurs vertus médicinales et nutritives. Nous avons même commencé à explorer l'idée d'une vie animale synthétique. Vous avez sûrement vu les gorilles. Ce projet n'en est qu'à ses balbutiements, mais il a déjà un potentiel intéressant. Vous ne reculez devant aucun défi, à ce que je vois. Avec beaucoup de travail et une bonne dose d'ingéniosité, rien n'est impossible. Je sais que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, mais j'aimerais vraiment vous poser la question. Avez-vous décidé si vous alliez vous joindre à nous ou non? Je ne sais pas encore. Pour le moment, j'observe et j'apprends. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, j'en conviens. Mais c'est aussi une chance extraordinaire et unique. Prenez donc le temps de la réflexion. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous allez continuer à faire le tour du propriétaire. Je serai également ravi de répondre à toutes vos questions. Vous avez parlé de soins médicaux. Je pourrais en avoir besoin. Dans ce cas, vous devriez aller saluer le docteur Dean Volkert. C'est notre meilleur biologiste et il fait également office de médecin référent pour l'Institut. Le docteur Volkert travaille à l'infirmerie. N'hésitez pas à aller le voir dès que le besoin se fait sentir. Vous ne trouverez pas de meilleur médecin dans tout le Commonwealth. Croyez-moi. Ok, bah on a vu Clayton Holdren qui s'occupe de la bioscience. Regardez-moi ça. Le projet de gorille synthétique du docteur Holdren a obtenu des résultats encourageants. Vous êtes là? Je suis tellement content de vous voir. On dirait ma sœur. Oh, si elle regarde cette vidéo... Elle va m'engueuler. Bon, c'était la petite blague, hein. C'est trois fois rien. Alors, désolé encore une fois pour le bruit, parce qu'il y a des travaux juste devant chez moi, alors ça fait un peu de bruit, forcément. Alors, on va aller voir Kiki. Attends, il fait que... Non. On va aller là. Quand comptez-vous me parler de cette mystérieuse phase 3? C'est quoi? Les systèmes avancés. Ok. Ben on va y aller. Là, c'est pas un épisode où il y a beaucoup d'action. C'est un épisode où ça fait deux heures qu'elle est dessus. Qu'est-ce qu'elle expérimente au juste? Rien. Je crois qu'elle le fait uniquement pour s'amuser. Ah. Docteur Lee. Oh, c'est vous. Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. Mais putain, mais... Je suis là pour vous. Pour moi? Comment ça? Et voilà.
Disons que je viens de la part d'un groupe qui aimerait se rappeler à votre bon souvenir. Arrêtez de tourner autour du pot. Vous êtes de la confrérie de l'acier, c'est évident. Je savais bien que vous finiriez par me retrouver un jour ou l'autre. Ça fait bientôt 10 ans que je vis dans la peur constante de voir débarquer un assassin de la confrérie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait vous éliminer ? J'ai participé à des projets particulièrement sensibles pour la confrérie de l'acier. Lyons m'a laissé partir, mais certains membres du haut commandement pensaient que j'en savais trop. C'est pour ça que j'ai rejoint l'Institut. C'était le seul endroit où je pouvais continuer mes recherches, loin des griffes de la confrérie. Puisque Père vous fait confiance, je veux bien vous accorder le bénéfice du doute. Il nous arrive d'avoir nos désaccords, c'est vrai. Mais je sais qu'il ne laisserait personne me faire du mal. Dites ce que vous avez à dire et laissez-moi tranquille. Vous êtes vraiment heureuse ici ? Vous plaisantez ? Je suis entourée de matériel de laboratoire Dernier Cri et je travaille avec certains des plus grands esprits de la planète. Je ne vois pas le rapport. La confrérie a besoin de votre aide, docteur. Mon aide ? Pourquoi ? Ils avaient l'air d'avoir la situation en main quand je suis partie. La confrérie a des problèmes. On a besoin de vous. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Il y a une chose qui m'échappe. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à retourner voir la confrérie ? Pourquoi j'abandonnerais tout ce que j'ai accompli ici ? On m'a ordonné de vous ramener, c'est tout. La confrérie veut que je revienne, et elle m'envoie une espèce de robot qui obéit aux ordres sans réfléchir. Désolé, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. J'abandonne. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre ? Ok, je veux bien rentrer dans votre jeu. J'avais un collègue. Le docteur Virgile, il y a eu un accident dans son laboratoire, il y a quelques mois. Il a été tué. Je voulais participer à l'enquête, mais Père a fait condamner les lieux en invoquant une contamination. Je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire d'accident. Plus je posais des questions, plus j'avais l'impression que Père faisait tout pour les éviter. Si vous me rapportez des preuves permettant d'identifier formellement ce qui l'a tué, j'accepterai de réfléchir à l'offre de la confrérie. Marché conclu ? Marché conclu. Alors c'est entendu. Le labo du docteur Virgile se trouvait dans la division de biosciences. Je peux vous donner les codes d'accès de cette section. Mais le labo en lui-même a été condamné. Vous allez devoir vous débrouiller pour pénétrer à l'intérieur. Je vous dirais bien d'opérer en toute discrétion. Mais vous êtes de la confrérie. Ça ne fait pas vraiment partie de votre vocabulaire. Et une dernière chose. Si quelqu'un vous surprend, nous n'avons jamais eu cette conversation. Essayons au moins de sauver les apparences. Montrez-moi votre Pip-Boy. On m'a demandé d'y intégrer une puce de chasseur. Ordre de père. Vous avez maintenant un accès total à nos installations, ainsi que la capacité de vous téléporter à volonté. Cool. Merci. Ça pourrait être utile. Utile ? Le mot est faible. La téléportation est le seul et unique moyen de pénétrer dans l'Institut. Et si l'importance de ce petit cadeau vous échappait encore ? Sachez que personne d'autre que vous n'a eu ce privilège ici. C'est dire la confiance que Père a placée en vous. À propos, j'espère que notre petite conversation restera entre nous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Bon, encore un petit dialogue, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, la sécurité avant tout. Oui, la sécurité, la sécurité. C'est pas marrant. C'est nul. On tire sur un mur. Non mais... c'est quoi mon délire? Mon dieu. Et c'est quoi le leur? Alors je sais pas si on aura le temps de parler à tout le monde hein, dans cet épisode. Ah, c'est quoi ça? C'est métal. Ah, c'est en bas. Si vous constatez une fuite de produits chimiques dangereux, veuillez alerter la division des infrastructures dans les plus brefs délais. Il est pas beau. Hein. Vous connaissez le protocole. Alors. Accès réservé au personnel autorisé. Alors le docteur Rayo croit qu'il peut se cacher dans son bureau. Analyse en cours. Sujet. BRS de l'Institut. Pourquoi pas ? On va y aller. Où je sens qu'il va y avoir un meurtre à la division robotique. Nous sommes tous impatients de travailler avec vous. Des pieds pour ne relâchez jamais votre vision. Je devrais peut-être emmener quelques chasseurs avec moi. Mais elle est chiante, cette dame. Je vous en prie, ne faites pas ça. Nous avons déjà assez de mal à maintenir de bonnes relations avec les autres divisions comme ça. Docteur. Ah, c'est donc vous, Justin Ayo, directeur provisoire du bureau de rétention des synthétiques.
Je vais être franc avec vous. À partir de maintenant, nous allons vous surveiller de près. Malgré vos liens avec Père, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une variable imprévisible. Je suis sûr que vous comprenez. Nous n'aurons aucun problème, j'espère. Pourquoi vous ne me faites pas confiance ? Ça n'a rien de personnel. Je ne fais jamais confiance à personne. Père m'a demandé de vous présenter rapidement le bureau de rétention des synthétiques. Notre rôle principal est de récupérer les synthétiques qui se sont enfuis à la surface et se cachent au sein de la population humaine. Je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que les synthétiques restent ici. Assurément. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser tomber des technologies sensibles de l'Institut entre de mauvaises mains. Ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Notre bras armé est le chasseur. Un synthétique de troisième génération pouvant opérer à la surface. La mission des chasseurs est simple. Pourchasser et appréhender tout synthétique en fuite. Ils sont parfaitement autonomes, spécialement formés à tous les styles de combat et maîtres dans l'art de l'infiltration et de la filature. En un mot, ils sont d'une efficacité implacable. Mais je pense que vous savez déjà tout cela, puisque vous en avez déjà rencontré. En fait, j'aimerais vraiment savoir comment vous l'avez vaincu. Je sais me défendre. Quand bien même, aussi expérimenté soit-il, un combattant isolé n'a que peu de chance face à un chasseur. Je vais devoir demander à la division robotique de réaliser un diagnostic approfondi de toute la chaîne de production. Comme si nous n'avions pas assez de problèmes comme ça. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me remettre au travail. Ça ira pour le moment. Merci. Très bien. Bon, bah, on a rencontré les trois docteurs, je crois qu'il y en a un quatrième, mais je pense pas qu'on aura le temps. On est déjà à 12 minutes de vidéo, c'est chaud. Je vais pas vous mentir. Alors, je pense qu'on va arrêter cette vidéo tout de suite, hein. Il n'y a plus grand chose à voir. Je vous ai fait visiter un peu l'Institut, vous voyez que c'est un monde très moderne. On a sauvegardé l'environnement, c'est vraiment bien, il y a de l'eau, il y a tout. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous compter parmi nous, monsieur. Voilà, c'est super beau. Et en tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et si l'ensemble des vidéos vous plaît, bah abonnez-vous à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Parce que il y en a pas mal qui vont sortir, mais là j'ai un petit problème, hein, je vais pas vous mentir. À chaque fois que j'essaye de mettre une vidéo en ligne, ça me met à chaque fois la même vidéo, ça me met la vidéo où trouver la Verde Léon 3, mais ça me le met tout le temps. À chaque fois que j'annule l'uploadage, ça me remet où trouver la Verde Léon 3. Alors là, je vais faire un petit test. Hein, et puis si ça marche pas, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je vais mettre la chaîne en stand-by. Mais je ferai une... je vous le dis dans cette vidéo. Je vais mettre... Si ça marche pas, je mets cette vidéo en stand-by. Voilà. Et donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vert. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.